Voilà, j'en suis au quatrième tour, il faut faire 12 fois la même chose. Organisé par Lady Gaga, One World Together.com, tous ensemble chez nous, avec les artistes depuis chez eux contre le coronavirus. C'est samedi 18 avril en direct dès 20h sur France.tv. Et sur France 2, c'est samedi en direct à 10h. Un petit peu de farinage. Et on est parti pour le cinquième tour. Bon ben là les amis, j'attaque le 9e tour. Et je peux vous dire que le bras, il commence à morfler. Pour le respect de cette patte, il faudra 12 tours, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, on est au 12e tour. Le poignet a bien morflé. La pâte a bien durci, a fait des bulles, c'est tout à fait normal. Voilà, après le 12e tour, on la met en boule. Et là, on va la mettre dans un saladier avec de l'huile. Toute la nuit, recouverte complètement d'huile. Voilà, et là ça part au garage toute la nuit, et il faut au minimum 8 heures, donc vous la laissez tranquille, bien recouverte d'huile. Et voilà le travail. Et demain, on verra pour les tirages de la pâte façon voile de la mariée. À demain.
Les mots sont présents en ce moment dans les refuges de la SPA, partout en France. Un nombre qui n'a pas augmenté avec le confinement. Parmi eux, seuls 790 sont candidats à l'adoption. Des animaux en bonne santé et sans problème de comportement. Dans certains secteurs, l'activité reprend doucement. C'est le cas des jardineries. La semaine dernière, elles ont été autorisées à rouvrir. Il a fallu s'organiser, mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des clients et du personnel. Un exemple à Chevreuse, en région parisienne, avec Marie Demarc, Didier Tereski et Benjamin. Depuis la réouverture, il y a eu... Le gérant de cette jardinerie a instauré de nouvelles règles pour accueillir les clients. En fonction de la densité, il dit de laisser rentrer les gens. Désormais, pas plus de 100 personnes à la fois dans le magasin. Les clients sont invités à venir avec leurs gants et leurs masques pour se servir eux-mêmes. J'ai des blettes, du basilic, des aubergines. C'est pas trop agréable de faire le avec les gants, les masques et tout. Ah non, non, c'est un luxe. C'est très bon pour moi. Des clients heureux de pouvoir s'occuper à nouveau de leur jardin. Ça fait longtemps que j'attends. J'ai même essayé d'appeler à plusieurs reprises pour savoir si c'était ouvert. Avec le beau temps qui s'installe et tout, on a une forte envie de jardiner. On sent que c'est le printemps, ça y est, c'est parti. Certains profitent même du confinement pour réaliser leur toute première plantation. Comme ce papa, venu acheter des fleurs à la demande de sa fille. On est ensemble pour justement jardiner, apprendre un peu les métiers de la terre et tout ça. Quoi. Pour le magasin, le retour des clients permet de compenser les pertes enregistrées depuis le début du confinement. Les secteurs de la jardinerie et même l'horticulture, pour aller plus loin, font 50% de leur chiffre d'affaires mars, avril, mai. Donc le fait de rouvrir, on sauve les meubles un petit peu. Quoi. Mais attention, ici tous les employés le répètent, venir à la jardinerie ne doit pas être considéré comme une sortie familiale, car malgré toutes les précautions, le risque de contamination est toujours présent. Avec la limitation des déplacements, on redécouvre aussi les commerces de proximité. Les petites épiceries de village, notamment, on voit passer beaucoup de nouveaux clients depuis le début du confinement. À Maisonnet-sur-Tardoire et Saint-Victurnien, en Haute-Vienne, Carlo Paredes et Thomas Guet. Pendant que l'économie mondiale est à l'arrêt, dans cette petite épicerie de village, c'est tout l'inverse qui se produit. Chiffres à l'appui, le contraste est saisissant par rapport à il y a quelques mois, lors de l'ouverture. Au départ, moi j'ai fait des petites journées à 17 euros, et là je suis passé entre 300 et 350 euros. Principale raison de ce succès, la crainte pour les clients d'attraper le coronavirus là où il y a plus de monde, dans les grandes surfaces, du coup, ils ouvrent leur commerce de proximité. C'est vrai que c'est bien pratique, moi j'habite à 300 mètres, je viens à pied, c'est vite de démarrer la voiture pour faire tout ça chose. Pour cette autre cliente, pas question de revenir dans les supermarchés. Même après la crise, elle restera fidèle à l'épicerie. Les gens sont aussi conscients qu'aujourd'hui, on doit revoir aussi sa manière de penser, sa manière d'acheter. On peut trouver tout ce qu'il nous faut sur place. C'est une erreur, je pense, que d'aller imaginer qu'on trouvera mieux à l'extérieur. À 40 minutes de route, nous voilà dans un autre village. Même constat, ici aussi l'épicerie fait recette, le double par rapport à d'habitude, de quoi redonner le sourire à la gérante. C'est de belles journées. Je ne vais pas vous mentir, c'est de belles journées. Malgré des prix un peu plus élevés, la qualité des produits locaux fait toute la différence. Je crois souvent que bien, je suis délicieuse. Non, mais c'est bien. J'ai de bons retours, que ce soit sur la viande, les légumes, le fromage. Et ça me fait beaucoup plaisir aussi pour mes fournisseurs, pour mes petits producteurs. Quant aux plus anciens, ils n'ont qu'une envie de vendre. Ça serait bien que les petits épiceries comme ça, dans les goûts, produisent. Parce que c'est pratique quand même. Et pour Élodie, la gérante, c'est bien parti. Son succès l'a même obligé à fermer les après-midi pour assurer de plus en plus de livraisons à domicile. Chaque jour dans ce journal, nous partons à la rencontre de ceux qui continuent de travailler malgré le confinement. Alors après cette semaine, un menuisier, un chauffeur de taxi, un garagiste, aujourd'hui l'un de nos 22 000 porteurs de journaux, il se lève aux aurores pour que nos quotidiens régionaux arrivent très tôt dans nos boîtes aux lettres. À Amiens, dans la Somme, Vincent Pévin, Thierry Baltard. Voilà 36 ans qu'il arpente les rues d'Amiens dès 4h du matin, avec une mission, livrer le journal aux abonnés de son secteur. Un parcours limité et des boîtes aux lettres que Dominique pourrait trouver les yeux fermés. Là, j'en ai 260. Vous pouvez faire un rendage tous deux par heure. En tout. En tout, il parcourt 12 km à pied et autant en voiture. Une promenade de santé pour cet hyperactif, avec comme récompense
le sentiment d'être utile dans ce moment si particulier. Si bien que le lever le matin, c'est la fin, c'est la rendre service aux gens. Et en cette période de confinement, c'est là qu'il faut encore plus sur nous pour être informés au niveau de ce qui se passe actuellement. Dominique se réveille à l'heure où d'autres se couchent, minuit et demi. Car avant sa tournée, il travaille dans ce dépôt où s'approvisionnent ses collègues colporteurs, des travailleurs de l'ombre qui ne se sentent pas pour autant oubliés. Vous savez, quand on distribue comme ça, et puis quand vous met un kilo sur la boîte de l'ombre, merci, ou moi j'ai une cliente, j'ai une ferme à Blangine, elle m'a mis une boîte de 12 œufs, voilà, pour me remercier. Ça fait chaud au cœur du contexte qu'on vit, et voilà, c'est rien à faire. Du réconfort pour ces indépendants qui cumulent les emplois, mais rarement les jours de repos. Et c'est le jour qu'on ne travaille pas, c'est le 1er janvier et le 1er mai. Sinon, tous les autres jours, 7 sur 7, on est toujours sur le terrain. Alors forcément, ça crée des liens avec les autres lettres, comme ce gardien d'immeuble. Bon, il y a plutôt que je rencontre ton gardien. Là, j'en ai pas vu d'autres. Il y en a beaucoup qui sont en arrêt. Ah ouais, d'accord. Il m'a 7h, le jour s'est levé. Sa livraison terminée, Dominique va enfin pouvoir aller lire son journal. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée. 13h à la maison, bonjour Jean-Pierre. Alors vous comme moi, nous sommes très attachés à nos journaux régionaux, hein, qui sont une mine de gens bien et de belles actions. Effectivement, Jacques, belles actions, un petit clin d'œil au collègue Picard. Et à la ville d'Amiens où on était à l'instant, la presse régionale si importante pour nous informer quotidiennement, et puis pour nous à TF1 parce qu'on est partenaire dans plein d'opérations, notamment pour les marchés avec Dominique Lagoustre-Santerre, qu'on a de retrouver. Alors pour moi, comme pour tout le monde, 31e jour de confinement, une dame vous disait avec des journaux que ça commençait à être très 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 long, c'est vrai. Alors on suit l'actualité, on apprend qu'il y a un peu moins de malades hospitalisés, on oublie un peu trop. Ça, c'est le secret.